Bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver sur TV5 Monde pour vos prévisions météo valables pour ce 18 juin. Pour commencer, on va prendre la direction de l'Indonésie. Nous allons aller dans la province de Sulawesi du Sud où vous le voyez sur cette vidéo. Et bien, à cause de l'érosion côtière, et bien, plusieurs maisons se sont complètement effondrées dans la mer. On déplore malheureusement plusieurs dégâts. Au niveau de la situation générale en Europe, nous avons un vaste anticyclone avec beaucoup de chaleur, principalement encore sur la péninsule ibérique. En France, on va battre des records de chaleur, plus de 40 degrés. Regardons ensemble sur les îles britanniques. Plus en détail, cela donne un temps sec en Écosse, encore en Irlande, alors que quelques pluies sont attendues en Angleterre avec 27 degrés. Une forte chaleur demain sur le Benelux. Ça sera le cas également sur toute la France demain avec clairement plus de 40 degrés à attendre sur Paris. 43 du côté du sud-ouest de la France. Donc vraiment une chaleur étouffante. Ça sera le cas également en Allemagne et en Suisse. Un temps plus variable sur la Norvège avec des pluies qui sont à attendre là-bas ou encore en Suède. Ça sera le cas également sur la Finlande, mais en fin de journée. Et sur les Pays-Baltes, eh bien, un temps plus frais avec quelques averses. Descendant l'Europe centrale et sur les Balkans, là, une forte chaleur également avec du beau soleil, de la douceur, 24 degrés pour Sarajevo. Une instabilité du côté de la Bulgarie avec des pluies. Ça sera le cas également en Ukraine avec seulement 22 degrés. Des pluies qu'on va retrouver à caractère orageux au nord de la Grèce demain. Sur l'île de Corfou également avec 28 degrés. Donc toujours de la douceur, même de la chaleur. Le temps sera beau et ensoleillé en Turquie comme au Proche-Orient. Et puis sur la botte italienne demain, eh bien, du franc soleil du nord au sud avec quelques averses du côté de la Sicile en fin de journée. Et puis des averses également qui pourraient atteindre la Galice demain. Toujours de la belle douceur et de la chaleur du côté de la péninsule ibérique avec 22 degrés du côté de Porto, encore 25 degrés pour le sud du Portugal. Pendant que vous découvrez les conditions un petit peu partout dans le monde, eh bien, je vous emmène au Canada, dans l'état de Saskatchewan, où demain nous attendons eh bien, une vague de chaleur assez importante, des records de chaleur qui seront atteints là-bas avec plus de 35 degrés, c'est 10 degrés au-dessus des normales de saison. On vous tient au courant dans les prochains bulletins. Belle suite des programmes avec nous sur TV5 Monde. Et quant à moi, eh bien, je vous retrouve très bientôt.